C'était une mobilisation à la hauteur proportionnelle et la capacité du leadership dont a fait preuve le Quinoin ce lundi 9 août 2021 à travers une marche pacifique organisée par le victime de l'État des droits Védancy, une figure de révolutionnaire dont la lutte est de redresser efficacement l'État congolais aux antipodes d'un État de droit et démocratique. Une foule immense symbolisant une liesse populaire, scandale de chants et cris révolutionnaires, chantant le nom du président des opprimés et initiateur du mouvement mythique Pascal Nyembo Muyomba, que le peuple appelle affectueusement président des opprimés. Nous, effectifs imprimés, venons par la présence exprimer notre désapprobation contre l'injustice qui s'installe de plus en plus dans notre pays. En effet, un de nos membres, à l'occurrence Maître Pascal Nyembo Muyomba. Bien qu'en droit légitime et constitutionnel de revendiquer l'ensemble de droits et libertés, le peuple qui était dans la rue ce lundi était réprimé, arrêté et tabassé par les agents de l'ordre, alors qu'est censé encadrer et accompagner le citoyen dans l'exercice de leurs revendications, qui avait d'ailleurs préalablement informé l'autorité administrative compétente en la matière, conformément à l'article 26 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Fait un appel à l'ensemble du peuple congolais de toujours rester disponible aux autres actions citoyennes dans les jours à venir afin de lutter contre les injustices sociales, les harcèlements judiciaires, le manque d'eau et d'électricité, la pauvreté du peuple congolais, aussi et surtout l'acharnement dont est victime le mythique Pascal Nyembo Muyomba, le président des opprimés congolais de la mort, prédateur de la République et ennemi du peuple. D'autres actions de plus grande envergure sont attendues pourvu que le vrai problème du peuple congolais soit définitivement et totalement entendu. Au fait, nous disons pouvoir au peuple. C'était une mobilisation à la hauteur proportionnelle de la capacité du leadership dont a fait preuve le Quinoin ce lundi 9 août 2021 à travers une marche pacifique organisée par le victime de l'État des droits Védancy, une structure révolutionnaire dont la lutte est de redresser efficacement l'État congolais aux antipodes d'un État de droit et démocratique. Une foule immense symbolisant une liesse populaire, scandale de chants et cris révolutionnaires, chantant le nom du président des opprimés et initiateur du mouvement mythique Pascal Nyembo Muyomba, que le peuple appelle affectueusement président des opprimés. Nous, effectifs imprimés, venons par la présence exprimer notre désapprobation contre l'injustice qui s'installe de plus en plus dans notre pays. En effet, un de nos membres, à l'occurrence Maître Pascal Nyembo Muyomba, bien qu'en droit légitime et constitutionnel pour revendiquer l'ensemble de droits et libertés, le peuple qui était dans la rue ce lundi était réprimé, arrêté et tabassé par les agents de l'ordre, alors qu'est censé encadrer et accompagner le citoyen dans l'exercice de leurs revendications, qui avait d'ailleurs préalablement informé l'autorité administrative compétente en la matière, conformément à l'article 26 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Fait un appel à l'ensemble du peuple congolais de toujours rester disponible aux autres actions citoyennes dans les jours à venir, afin de lutter contre les injustices sociales, les harcèlements judiciaires, le manque d'eau et d'électricité, la pauvreté du peuple congolais, aussi et surtout l'acharnement dont est victime le mythique Pascal Nyembo Muyomba, le président des opprimés congolais de la mort, prédateur de la République et ennemi du peuple. D'autres actions de plus grande envergure sont attendues pourvu que le vrai problème du peuple congolais soit définitivement et totalement entendu. Au fait, nous disons pouvoir au peuple.